Les copains, c'est Ricardo de Moundir et les apprentis aventuriers. Tout de suite, je regarde l'épisode avec vous et on le commente ensemble. N'hésitez pas à me poser vos questions, j'y réponds de suite. Alors ça, c'est le truc qui m'a le plus dégoûté, tu vois. Il y a les bleus contre les roses. Et l'un des deux qui revient, ça me saoule parce que moi, je me suis fatigué à éliminer. Oh là 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 là, celui-là, il a rien compris. L'aventure, c'est pas pour toi. Est-ce que vous trouvez ça juste, vous, si jamais les bleus ou les roses reviennent dans l'aventure après avoir été éliminés? Est-ce que c'est juste ou pas d'avoir eu une deuxième chance tandis que... Voilà, là, tu vois, je me cale, je me mets W9 et là, je commente avec vous Moundir et les apprentis aventuriers. Non, ça, c'est ce que je me suis maté hier. Viens-moi ça. Tac, tac. Tac, et j'en... J'adore les jaunes, ils me font trop rire. J'adore les jaunes, ils me font trop rire. Mais j'adore aussi les rouges. Donc je ne sais pas si je devrais choisir entre l'un et l'autre qui choisit. Retour des bleus, mon dieu, que j'aime pas ça. T'es éliminé. Mais j'espère en tout cas que vous serez content. Moi je suis pas content parce qu'on les a sortis et s'ils reviennent, ça dure un peu de ça. Exactement, Julien. Ça c'est mon Juju, ça. Il a tout à fait raison, mon Julien. Il a tout à fait raison, gars. Ils sont partis, c'est fini. Bye bye, pas de deuxième chance. Non, c'est. Rika, le stratège. De retour, au final c'est pas une grande surprise, c'était une grosse équipe avant le collège, mais tout le monde est autour. Soit tout le monde se sent en danger, soit tout le monde est content. Et c'est quoi ces focus? Je pensais qu'on allait arriver, qu'on allait s'en prendre plein la tronche. Ça va, vous êtes bien gentil, je vois que Ricardo. Salut Ricardo! Pour politesse. Vous auriez fait quoi à ma place? Vous auriez fait les faux culs, aller les voir, maintenant, comment ça va, on tape la bise, tout va bien? Ou vous auriez été droit dans vos bottes, je vous aime pas, je vous ai éliminé. Alors je me vois à l'écran, je me dis bon, ça va, j'ai commencé à perdre du poids depuis le début. Et puis là je me vois en vrai, je me dis ah putain, il est bien grossi quand même. Ah, ah au fait, est-ce que vous avez remarqué mon tableau de stratégie sur ma cabane dessiné en fond? Bon, allez, toi, c'est bon, on a compris que t'as mangé. On a compris que t'as mangé, t'as une deuxième chance. Voilà. Peut-être qu'il s'est trompé. Il aurait dû faire Man versus Wild. Parce que nous, on est des apprentis aventuriers. On n'est pas des aventuriers. Allez, c'est la pub. Je réponds à vos questions. N'hésitez pas à bombarder. Là, clairement, quand j'entends la voix et le ton de Néoda, je me dis que cet appel s'annonce très, 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 très compliqué. J'ai le cœur. Tout doit se gagner au mérite. Allez, tu vois. Ça y est, les amis, c'est parti pour l'épisode inédit de Moundir et les apprentis aventuriers. Je le commente avec vous. Hein, ne me jugez pas pour ce braquage. J'avais la dalle. Les amis, ça m'a vraiment fait plaisir de répondre à toutes vos questions. J'ai pas pu répondre à tout le monde parce qu'il y en a beaucoup, mais je reste toujours joignable sur mon Instagram.